Maseret Shabbat Daf Nun Dalet. On commence tout en haut, Bezrat Hashem, à la première ligne. Arechelim Yotzot Kvoulot, on a vu dans la Mishnah que les brebis peuvent sortir Kvoulot. La Gemara explique Maï Kvoulot. Qu'est-ce que c'est que cette notion-là? Chez Mechablin, Alia Shelan Le Mata, on attache leur queue en bas, afin que les mâles ne montent pas sur elles. Maï Mashmadai Kavoul, où est-ce que tu entends de ce mot Kavoul, que c'est un Lishna, un langage de l'avid Pere qui ne fasse pas de fruits? Qu'elle ne puisse pas donner de petits, ou d'où est-ce qu'on entend que c'est ce que ça veut dire, dirti. Et là, la Gemara ramène toute une histoire, à la fin de laquelle on verra que Kavoul prend le sens de quelque chose qui ne donne pas de fruits. Mahi arim ha'ele, asher natatali achi. Shlomo HaMelech a offert à Hiram, le roi de Tsor, il lui a offert des villes pour en fait le récompenser, le payer, qu'il a aidé à construire le Beth Amikdash, à lui construire aussi son palais. Et donc, il lui a donné des villes avec leurs habitants. Et Hiram lui a dit, qu'est-ce que c'est que ces villes-là que tu m'as donné, mon frère? Vaikra lahem eretz kavul adayamadeh. Il les a appelés une terre kavul jusqu'aujourd'hui. Mai eretz kavul, qu'est-ce que ça veut dire une terre de kavul? Amar avuna, donc kavul en fait, ça veut dire enveloppé, attaché. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'attaché là-bas? Il y avait là-bas des gens qui étaient très riches, qui étaient couverts complètement enveloppés, attachés dans l'argent et l'or. Amar le Rava, Rava lui a demandé, Yachi, c'est comme ça. Haynu dirtiv, velayashru be'enav. Est-ce qu'on pourra lire dessus le passage qui dit qu'il n'était pas satisfait de ce cadeau, Hiram Melertor? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient spécialement riches, ces gens-là, qu'il ne plaisait pas à Hiram? Amar Lein. Alors il a répondu oui, effectivement. Hiram n'était pas satisfait de ce cadeau-là, d'avoir une ville de riches qui va lui donner les impôts. Kevin de attiré ou méfan, que comme ils sont riches, ils sont gâtés, le havde avita. Ils pourront pas travailler correctement au roi. Et donc le roi n'était pas content de ce cadeau-là. Ravanach al-Maritra Kamar, Eret Rumton Aïta. C'était une terre salée, fendue. Et donc, elle ne donnait pas vraiment de fruits. Vamai karela kavoul. Et pourquoi est-ce qu'on appelait kavoul? De mistar gabakarad kavla. Car le pied rentrait dans ses fentes jusqu'à la cheville. Vamre inche. Et les gens disent, aram mechabla de lava de pere. Une terre mechabla qui est attachée, qui ne donne pas de fruits. Donc ici, pour adapter la traduction, on dira, une terre stérile qui ne donne pas de fruits. Et donc, tout ça, c'est pour expliquer que Kvoulot, qu'on a dit à propos, ce terme de Kvoulot qui a été dit à propos des brebis, ça veut dire que, en réalité, leur queue est attachée en bas, vers le bas, pour empêcher les mâles de monter sur elles. Et donc, de cette manière-là, elles deviennent en quelque sorte stériles. Elles ne donnent plus de fruits. C'est ça ce que veut dire le mot Kvoulot dans ce sens-là. On raconte l'histoire qui s'est passée en Europe de l'Est il y a une centaine d'années, où d'un grand din Torah qui est arrivé chez tous les grands dayanim, les grands juges. Le din Torah était entre un homme qui disait, voilà, j'ai employé mes employés pour travailler chez moi, ils travaillent bien et tout, mais je les ai vus manger le repas de midi, et après ça, ils brossaient leurs dents. Et alors, les Dayanim disaient, mais alors quel problème, en quoi ça te gêne qu'ils brossent leurs dents après manger? Il leur a dit, non, mais c'est pas normal. Et le Badin lui dit, mais pourquoi c'est pas normal? Il leur a dit, ben parce que c'est pas un comportement d'employé. Et les employés disaient, mais on a fait ça sur le compte de notre repas de midi. On n'a pas dépassé les horaires. On a travaillé bien correctement quand il fallait travailler. Et le patron qui disait, oui, mais c'est pas comme ça qu'un employé travaille. Un employé se brosse pas les dents. C'est pas normal. Et finalement, donc, voilà, il était pas content et ils sont arrivés en din Torah. Ce din Torah est arrivé chez les grands dayanim de l'Europe. Et voilà que, bon, ils ont décidé de faire, d'installer un bedin spécial pour cette question-là, avec vraiment les Gdolé Ador, dont le Marsham. Marsham, qui était le grand-père, qui s'appelait aussi Rav Shalom Shvadron, le grand-père de Rav Shalom Shvadron, qui était dans la dernière génération, qui est niftar il y a une vingtaine d'années. Et donc, voilà que le bedin cherche à savoir est-ce que on peut tirer une preuve de quelque part dans la Gemara, dans les poskim, pour cette question, cette nouvelle question-là, bizarre, comme d'un patron qui n'est pas content qu'on se brosse les dents. Et bon, après qu'ils recherchent et qu'ils étudient, voilà que quelques jours passent et qu'on n'a toujours pas trouvé de preuve. Un jour, Maharsham Shvadron, il était comme ça de bonne humeur,
Et il a dit au Dayanim, il leur a dit, écoutez, la vérité, on tourne, mais c'est une Gemara Meforeshet. C'est une Gemara très claire qui parle de, qui traite ce cas-là. Et voilà que le Dayanim était très surpris de son, de cette remarque-là. Et un qui était spécialement Baki, qui connaissait tout très harif, il a dit, bon, laissez-moi Rav, je veux revoir. Il revient après, je sais pas combien de temps, peut-être 2 jours, 3 jours, ou même sur place, et il dit au maréchal, je peux droit d'écouter, j'ai fait passer tout le chasse dans ma mémoire, j'ai pas trouvé de Gemara qui traite ce cas-là. Et maréchal, je peux droit il sourit, et il dit, oui, c'est une Gemara, mais faut rechette. Il dit, mais non, mais j'ai pas trouvé. Il dit ça dans ma Sechet Shabbat. Et le Rav, voilà, il sourit, et le maréchal, je peux droit il sourit, il dit, bon, c'est dans ma Sechet Shabbat. Et le Rav qui se dit, bon, Sechet Shabbat, comme ça, il est surpris, et il refait passer toute ma Sechet Shabbat en une demi-heure dans sa tête, il dit, Rav, j'ai pas trouvé. Il dit, mais je vais te dire, c'est une ma Sechet, dans le Perek Ramishi, le 5e Perek de ma Sechet Shabbat, et voilà notre Gemara qui dit clairement que des employés qui sont riches et gâtés, ils travaillent mal. C'est pour ça que Hiram n'était pas content d'avoir reçu ce cadeau-là de Shlomo HaMelech, d'avoir reçu une ville de riches qui ne sauront pas travailler, servir le roi correctement. On continue dans la Gemara Kvunot. Kvunot, on a vu qu'il interdit de sortir, ou plutôt on a vu, au contraire, il est permis aux brebis de sortir Kvunot. Donc, on a vu qu'elles ont le droit de sortir Shruzot, qui veut dire la queue attachée en haut, Kvunot, qui veut dire la queue attachée en bas. Et maintenant, enfin, on va voir qu'est-ce que c'est que Kvunot. Donc, qu'est-ce que c'est que Kvunot? Répond la Gemara. Mike Vunot chez Mechabnin Otole Milat. On enveloppe la brebis pour garder sa laine bien propre depuis le jour de sa naissance, pour en faire des habits de laine spéciale. Kedetnan, comme ce qu'on voit dans une Mishnah, qui vient d'écrire la couleur des lèpres, de la lèpre, de la tsarat, Se'et Ketsemer Lavan. Ce que la Torah appelle Se'et, c'est une plaie qui porte la couleur d'une laine blanche. Maïtsemer Lavan, qu'est-ce qu'on appelle une laine blanche? Amar Ravivi Barabaye, Ketsemer Naki Benyomo, comme la laine propre d'un agneau qui vient de naître, chez Mechabni Notolemilat, qu'on enveloppe pour en faire des habits de laine spéciale. Donc ça, c'est que vous note. On a le droit de laisser sortir ces brebis-là avec cette enveloppe-là qui sert à bien garder leur laine propre. Veizim Yotot Tsururot. On a vu que les chèvres ont le droit de sortir sous roite avec les mamelles attachées. Itmar Rav Amar Alakha Ki Rabbi Yehuda, ou Shmuel Amar Alakha Ki Rabbi aussi. Rav dit l'Alakha Lekom Rabbi Yehuda, qui a fait la différence entre si c'est attaché de manière à les faire sécher, où ça sera permis, tandis que si c'est attaché au contraire pour garder leur lait, ça c'est interdit. Shmuel dit l'Alakha Lekom Rabbi aussi, qui est interdit dans tous les cas. Veika de Matnela Shmat Alapenafsha. Il m'a dit, il y a une autre version qui enseigne cette discussion de Rav et Shmuel en soi, pas sur notre Mishnah, à savoir si l'Alakha est comme ci ou comme ça, mais c'est une discussion en soi qui ne se rapporte pas sur la Mishnah. Rav Amar Liabesh Moutar Velo Le Chalev. Rav dit, il est permis de laisser les chèvres sortir avec les mamelles attachées quand c'est vraiment serré pour les faire sécher, pour arrêter leur lait, mais pas si au contraire ça sert à garder leur lait. Ou Shmuel Amar Echadze Vechadze Atour, et Shmuel interdit dans tous les cas. Ça revient au même, comme la première version. La différence, elle est simplement si Rav et Shmuel ont parlé sur notre Mishnah pour savoir, en disant, on tranche à la Halakha comme Rabbi Houda ou comme Rabbi aussi, ou bien que Rav et Shmuel ont dit de même, la Halakha elle est comme ça ou comme ça. Veika de Matnela, il y a une troisième version qui enseigne cette discussion de Rav et Shmuel sur la Braïta suivante. Izim yotot urot liabesh avalo lechalev. Les chefs peuvent sortir avec les ramènes attachés si ça sert à les faire sécher, mais pas au contraire à garder leur lait. Mishum Rabbi Yehuda ben Metera amru, kach halakha. Au nom de Rabbi Yehuda ben Metera, on a dit effectivement c'est comme ça la halakha en principe. Théoriquement, ça aurait été comme ça la halakha. Aval mi mes fils ezol yabesh vezol lechalev. Qui sait qui va reconnaître si il les a attachés pour les faire sécher au contraire pour garder leur lait? Les gens ne vont pas reconnaître, ne vont pas faire la différence entre un cas et l'autre. Umitor shen makirim, et puisqu'on ne reconnaît pas exactement pour quelle raison il a attaché ses mamelles, et chadze vechadiasur, donc tout est interdit. Amar Shmuel, Vamre la Amar Abuda Amar Shmuel, et là-dessus Shmuel a dit au Rav Yehuda au nom de Shmuel, Alakha ki Rabbi Yehuda ben Metera. Alakha elle est comme Rabbi Yehuda ben Metera qui est interdit dans tous les cas. Donc aussi bien si c'est attaché de manière à ce que ça va les faire sécher que dans le cas où ça sert à garder leur lait, puisque les gens ne font pas la différence, dans tous les cas ça sera interdit. Ki ata Ravin Amar Rabbi Yochanan, tandis que Ravin au nom de Rabbi Yochanan,
a dit « Alakha ke Tanakama ». Donc Rabin, quand il est venu d'Eretz Israël, il a dit « Au nom de Rabbi Yochanan, qui est un grand d'Eretz Israël, Alakha lekom Tanakama, qui fait lui la différence et qui permet, à condition que ce soit serré, pour les faire sécher, pour faire sécher leur lait. » Donc à nouveau, nous avons cette discussion-là à savoir, est-ce qu'on fait la différence ou on ne fait pas la différence, et donc on interdit dans tous les cas. La halakha ici, elle est comme Rav, comme on a déjà vu en haut, on a vu dans les dapim précédents, que quand il y a une machloket entre Rav et Shmuel, en ce qui concerne les Issour Véter, la halakha est comme Rav. On a dit, halakha ke Rav be Issouré, ve ke Shmuel be Diné. Dans des dilemmas moneurs, dans des questions d'argent, la halakha est comme Shmuel qui est un grand juge. Dans des questions par contre de Moutar ou Assour, la halakha sera comme Rav. Donc ici, la halakha est comme Rav, qui a fait, oui, la différence entre si c'est attaché, les mamelles sont attachées pour les faire sécher, où là, ça sera permis, tandis que dans le cas où ça sert à garder leur lait, là, au contraire, c'est interdit. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, c'est pas assez attaché. On craint que ça tombe et qu'il risque de le porter au Reshut Arabi. On continue ici à la Mishnah. Ubema et Nayota. Donc, jusqu'à présent, on a vu de quelle manière on a le droit de laisser, dans la première Mishnah, jusqu'ici, on avait vu de quelle manière l'animal a le droit de sortir pendant Shabbat. Maintenant, on va voir de quelle manière il n'a pas le droit de sortir pendant Shabbat. Lo yetzeh gamal bamet tul telet. Le chameau n'a pas le droit de sortir bamet tul telet. On a trois explications qu'est-ce que c'est que met tul telet. Soit c'est une ficelle en dessous de sa queue, qui sert à garder la selle pour pas qu'elle tombe en avant quand il est quand il est en train de descendre. Soit c'est tout simplement un genre de mardat. Mardat, c'est comme le grand tissu qui sert à réchauffer l'âne, comme on avait vu dans la Mishnah précédente. Ici, c'est la même chose pour le chameau. Rashi ramène plus loin encore une autre explication, qui est un genre de petit coussin de coton qui sert à protéger sa queue, qu'elle ne se frotte pas trop de la ficelle qui est sous sa queue. Et ce coton-là, il sert à le protéger. Et c'est ça ce que c'est que la metul telet. On continue dans la Mishnah. Le akoud ve le ragoud. Il n'a pas le droit de sortir non plus akoud, ça veut dire la patte avant attachée avec la patte arrière. Ve le ragoud, ni quand la patte est attachée sur elle-même pour pas qu'il se sauve. Il lui reste que trois pattes, il pourra pas se sauver. Ve chen she'ar kol ha-behemot, non seulement le chameau, c'est pareil pour toutes les behemot, c'est pareil. Le ikshor gmanim ze bazeh ve'imshor. Un homme n'a pas le droit d'attacher les chameaux les uns aux autres et en les tirant. Il fait un train-train de chameaux. Comme Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, qui est venu avec 10 chameaux, qui est venu chez Betuel pour prendre Rivka. Il est venu avec 10 chameaux. Et donc voilà, quelqu'un qui prend 10 chameaux, il fait la grande marche, il n'aura pas le droit de les attacher un derrière l'autre et de les tirer de cette manière-là. Aval Machnis Ravelim et Tochiado Vimshor, par contre, il aura le droit de rentrer toutes les cordes dans sa main et de les tirer tous ensemble, ou bilvad, chez l'oïkroch, à condition qu'il ne fasse pas le tour de sa main avec ces cordes-là, comme on verra dans la Gemara, quel est exactement le problème. Tana, l'oïeté agamad va mettre tout le telet à keshura l'obiznavo. Le chameau n'a pas le droit de sortir avec la mettre tout le telet qu'on a dit, qui sert à lui protéger sa queue. Avaliote va mettre tout le telet à keshura biznavo ou bechot tarto. Mais si, c'est attaché aussi, non seulement donc à sa queue, mais aussi à sa bosse, à la bosse du chameau, eh bien, on aura le droit de le sortir de cette manière-là parce que ça ne risque pas de tomber. Amar Rabba Ravuna Yotzeh Agamad Bametultelet Akshura La Beshiliata. Le chameau, ou la chamelle plutôt, a le droit de sortir aussi avec cette Metultelet qui sert, donc comme on a dit, à le protéger, que la ficelle ne le frotte pas trop sous la queue. Et là, si c'est attaché à son placenta qui a commencé à sortir, il sera permis aussi de le sortir de cette manière-là parce que il va pas chercher à s'en débarrasser, il va pas se secouer de cette chose-là, ça va lui faire mal, donc ça sera permis de la sortir de cette manière-là. Le akoud velo ragoul. Qu'est-ce que c'est que akoud ve ragoul? Amar Rav Yehuda, akoud akidat yad ve regel. Akoud, ça veut dire qu'on lui attache la main avec le pied, la patte avant avec la patte arrière, qui yitrak ben Avram. Comme la kedat yitrak. Rashi explique, Avram avinu, il avait attaché yitrak les mains avec les pieds. Main avec pied. Et ensuite, son cou s'est ouvert de cette manière-là. Ragoul, shelo yakuf yado al gabei zro'o veikshor. Ragoul, ça veut dire qu'il n'a pas le droit d'attacher sa main à son bras, donc vraiment la fin de sa patte avec le haut de sa patte,
il l'attache de cette manière-là pour pas qu'elle se sauve, ça c'est aussi interdit. Mais si Velagma avait objecté à coude, j'te yadaim ou j'te raglaim, qu'est-ce que ça veut dire à coude? C'est les deux mains ensemble, ou bien les deux pieds ensemble. Donc les deux pattes avant ensemble ou les deux pattes arrière ensemble. Ça c'est à coude. Ragoul, tandis que ragoul, c'est ce qu'on a déjà dit, effectivement, chez la couf, yadol gabezro, qu'il n'a pas le droit d'attacher sa main sur son bras. Veikshor, et il les attache comme ça. Donc, chez le Yakouf, ça veut dire qu'il n'a pas le droit de plier Yado al-Gabezro, la fin de sa patte avec le haut de sa patte. Veikshor, il attache de cette manière-là. Donc, en tout cas, l'objection, elle vient du début de cette braïta où on explique que Akout, ça veut dire les deux pattes avant ensemble. Ou les deux pattes arrière ensemble. Pas la patte avant avec la patte arrière. Répond la Gemara Oudamar Kaitana. Lui, Ravuda qui expliquait patte avant avec patte arrière, il pense comme cette autre braïta qui dit, Detania Akout, Akedat Yad Veregel. Akout, ça veut dire patte avant avec patte arrière. Oh, j'te yadaim ou j'te raglaim, ou bien les deux pattes avant avec les deux, ensemble, ou bien les deux pattes arrière ensemble. Ragoul, qu'est-ce que ça veut dire? Chez le Akouf Yado al-Gabezro, il n'a pas le droit de plier sa main sur son bras, donc le bas de sa patte sur le haut de sa patte. Vikshor, il l'attache de cette manière-là. Demande la Gemara à Katilodami. Encore, on n'a toujours pas trouvé la braïta vraiment qui penserait comme Rav Yehuda. Ça ne ressemble pas exactement à l'explication de Rav Yehuda. Bishlama Recha Vesefanicha. Le début et la fin de la braïta, ça marche avec Rav Yehuda. Donc Ravida qui avait dit Akoud, c'est patte avant avec patte arrière, c'est le premier cas de la braïta. Ragoul, où Ravida avait expliqué, ça veut dire il attachait sa patte sur elle-même, ça marche aussi avec la braïta, c'est la fin de la braïta. Par contre, Metsia Takashia, le cas du milieu de la braïta, c'est une cachia contre Ravida, parce que cette braïta-là, elle a dû m'expliquer aussi que Akoud voudrait dire les deux pattes avant ensemble, ou bien les deux pattes arrière ensemble, alors que Ravida n'a pas voulu expliquer comme ça Akoud. Il a dit que c'est que comme Akedat Yitzhak ben Avraham, que comme Yitzhak avait été attaché main avec pied, main avec pied. Et là répond la Gemara, Houdamar Kaitana. On a encore une autre braïta qui pense vraiment comme lui, mais alors là jusqu'au bout. Akoud Akedat Yad Veregel Kitrak Ben Avraham. Akoud, ça veut dire attacher la patte avant avec la patte arrière, donc la main avec le pied, comme Yitrak Ben Avraham. Ragoul, chez l'œil Akouf, Yadol Gabezrov et Ikshor. Tandis que Ragoul, ça veut dire il n'a pas le droit d'attacher la patte sur elle-même. Et ça, c'est exactement une braïta qui pense comme Rav Yehuda. Vele Ikshor Gmalim. On a vu qu'il n'a pas le droit d'attacher les chameaux l'un à l'autre. Donc le premier au deuxième, le deuxième au troisième, le troisième au quatrième, ainsi de suite. Et il les tire comme ça, et il fait comme ça sa promenade, c'est interdit. Maïta Ama, quelle est la raison? Amar Avashim Shum de Mirze, il apparaît que Mande Azdi le Khinga. On dirait qu'il veut les vendre au marché. Et donc c'est interdit. Midira Banan, c'est interdit. Aval Mahni, cependant, il a le droit de mettre toutes les cordes dans sa propre main. Donc de tous ses chameaux ensemble, pas les uns aux autres. Et de cette manière-là, marcher. On a vu à la fin de la Mishnah que cependant c'est interdit à Valoy Kroch. Il n'aura pas le droit de les attacher ces cordes-là en même temps. Et il n'aura pas le droit de les attacher en même temps dans sa main. Et la Gemara explique que le problème c'est un problème de Kilaim, de mélange d'espèces interdites. Et c'est pas un problème de Shabbat. Donc Loshanu, on ne l'a enseigné que Elalinen Kilaim, que en tant que problème de mélange d'espèces. Demande la Gemara Kilaim des Mike. De quoi il s'agit ici? Un mélange de quoi? De quelles espèces? Il est makilaim de Adam. Si tu veux dire que c'est un problème de mélange d'espèces, c'est-à-dire l'homme avec l'animal. On n'a pas le droit, par exemple, l'âne et le cheval n'auront pas le droit de tirer ensemble une charrette. La Gemara veut dire, donc peut-être que ici aussi c'est pareil. S'il attache les chameaux à lui-même, il se trouve des fois que lui, avec les chameaux, risque de tirer une charrette et que finalement, on aura ici un mélange de deux espèces, l'homme avec le chameau. La Gemara dit non, ça s'appelle pas, c'est pas un problème ça. Ve'atnan, Oronoï Mishnah qui dit, Adam mutar imkulam, l'homme a le droit avec tous les animaux, la roche, de labourer le champ, velim shor, ou de tirer des charges. Donc on n'a pas de problème là ici, c'est pas un problème de kilaim, l'homme avec l'animal. Et là répond la Gemara, kilaim de chavalim. Ici c'est un problème de mélange d'espèces de chatnez. Le problème c'est les cordes. Les cordes qui sont des fois de lin, d'autres fois de laine. Et donc, s'il a certaines cordes dans l'un, d'autres cordes dans l'aine, il n'aura pas le droit de les attacher à sa main pour réchauffer sa main. Donc là, et s'il fait chaud, on a du mal à comprendre, mais s'il fait froid, il fait très froid, et que maintenant, au moins, il veut se réchauffer la main avec ses cordes, ça sera interdit. Le mois d'Agmara va atteindre à Tochef Trifa Achatana Chibo, celui qui fait une couture, ça ne s'appelle pas encore attacher le lin avec la laine. Et donc ici, même s'il a fait un nœud léger, c'est pas encore attaché. Répond la Gemara, l'olam kilaim de chavalim. Non, on va quand même maintenir ce qu'on a dit, que c'est un problème de mélange des cordes. Ve'arike amar. Et voilà le problème. Ici, ce que la Mishnah voulait dire. Obilvat shalekor ve'ikshor. Il n'a pas le droit de faire le tour de sa main avec ses cordes-là et de faire un double nœud, un vrai nœud,
un nœud où vraiment il ne pourra pas s'ouvrir, ça s'interdit. Ça s'interdit en tant que mélange d'espèces, l'un et l'un ensemble de Kilaïm. Amar Shmuel. Il n'aura pas le droit de laisser la corde dépasser de sa main, en toute sa main, un tefar. Donc un tefar, c'est 8 cm ou 9-6. Il n'aura pas le droit de laisser dépasser de sa main la corde d'un tefar. Shmuel a dit un tefar, or on a enseigné une braïta dans la yeshiva de Shmuel qui dit deux tefarim. Amar Abaye Hashtad Amar Shmuel Tefar Vetana Deve Shmuel Tfachaim. Maintenant que Shmuel a enseigné un Tefar et que on a enseigné dans sa yeshiva une braïta qui dit deux Tfachim, il se trouve finalement que Shmuel a la Halé Maasé Atala Shmeinan. Shmuel est venu nous enseigner à la Halé Maasé. C'est-à-dire, il y a une différence entre la Halacha et la Halé Maasé. Halacha, c'est qu'est-ce que la Halacha dit théoriquement? La Halacha dit théoriquement que jusqu'à deux Tfachim, ça va. On a droit de laisser la corde dépasser jusqu'à deux Tfachim de sa main et on ne craint rien. Plus que deux tfachim, c'est interdit parce qu'on dirait qu'il est en train de porter la corde elle-même. On ne voit pas qu'en réalité il est en train de tirer les chameaux. Si la corde elle descend trop de sa, en toute sa main, les gens vont dire qu'il est en train de porter une corde. Si par contre elle est vraiment très courte après sa main, ils vont se demander mais qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il est en train de tirer les chameaux. Donc combien on lui laisse en toute sa main? Théoriquement, à la halakha, elle est deux tfachim. Mais à la halakha, c'est quoi dire, de quoi trancher vraiment pour faire? La halakha pratique, elle est un tefar. Un tefar tu peux, pas deux. Donc finalement, Shmuel est venu nous enseigner la halakha pratique. C'est ce qu'il est venu nous apprendre, qu'on ne lui permet qu'un seul tefar. On tourne la page. Ve'atanya demande la Gemara au Bilvat et Akbiya Menakar Katefar. Pourtant, il y a une braïta qui dit, l'essentiel c'est que ce soit plus haut de que le sol d'un tefar. Donc finalement, on n'est pas en train de parler d'un nain. Que sa main, que quand la corde elle dépasse d'un ou deux tefarim de, en toute sa main, on est en train de frôler le tefar du sol. C'est pas ça qu'on est en train de parler. Et donc, si on a permis jusqu'à un tefar au-dessus du sol, ça peut dépasser bien plus qu'un ou deux tefarim en toute sa main. Répond la Gemara Gitaniaï. Cette braïta-là qui a permis jusqu'à un tefar au-dessus du sol, elle n'est pas en train de parler du côté de la corde qui dépasse de sa main. Elle est en train de parler Bechavla de Bene Bene. Elle est en train de parler de la partie de la corde qui est entre lui et le chameau. Entre lui et le chameau, il y a la corde, la longue corde. Cette corde-là, finalement, elle fait un petit peu un genre de ventre, elle descend, elle remonte jusqu'au chameau. Et quand elle descend, elle ne pourra pas frôler le sol, parce que les gens vont croire qu'il est en train en fait, de tirer une corde ici. Ils ne vont pas dire qu'il tire le chameau, il est en train de porter la corde toute seule. Et donc, il faut qu'elle soit au-dessus du sol d'un tefar. Mais le bout de la corde qui dépasse de sa main à la fin de la corde, là, on ne va lui permettre que un ou deux tefarim. Donc, un tefar, halakha le maasé, halakha pratique, c'est qu'un tefar. Mais entre lui et le chameau, ça pourrait descendre même bien plus qu'un tefar, parce qu'on reconnaît qu'il est en fait en train de tirer le chameau avec cette corde-là. Il n'est pas en train de porter la corde pour rien. Mais simplement, là, il faudra quand même que ce soit au-dessus du sol d'un tefar. Mishnah suivante. En chamor yotel mardat bisman shenak shuralo. L'âne n'a pas le droit de sortir avec la mardate, comme on a vu, c'est le manteau de l'âne et une grande selle sur l'âne, si elle n'est pas attachée à lui. On avait vu en haut que si elle n'est pas attachée du tout, c'est évident que c'est interdit. Le chidouche, il est même si elle n'a pas été attachée avant Shabbat, elle n'a été attachée que pendant Shabbat, c'est interdit aussi. Parce que ça n'a pas été destiné d'avant Shabbat déjà, de servir comme le manteau de l'âne. Vélo bezoug, ni avec une cloche. L'âne ne peut pas sortir avec une cloche, à Falpich ou Pakouk, même si elle est bouchée. Velo besulam chez Betsavaro, ni même avec une échelle à son cou, comme on verra dans la Gemara. Velo birtoa chez Beraglo, ni avec une lanière à ses pattes. On verra tout ça dans la Gemara. Ven atarne golim, yotin mechoutin, velo birtoa chez Baraglem. Les coqs n'ont pas le droit de sortir non plus, avec des fils, des ficelles, ni des rubans à leurs pieds. Les béliers n'ont pas le droit non plus de sortir avec une charrette qui protège leur grande queue. Ils n'ont pas le droit donc de sortir avec. Dans tous ces cas-là, on craint que ça tombe et qu'ils risquent de le ramasser, de le porter dans le Rechut Arabim. Les brebis n'ont pas le droit de sortir chanounot. On verra dans la Gemara trois explications ce que ça veut dire chanounot. Le veau n'a pas le droit de sortir begimon. On verra une fois dans la Gemara qu'est-ce que c'est que Gimon. Gimon, c'est un petit joug qu'on lui place depuis qu'il naît pour qu'il s'habitue à porter le joug. Velo para beor akupar.
ni la vache avec une peau d'hérisson pour lui protéger ses mamelles, pour pas que viennent des sangsues prendre son lait. Vela birtoa sheben karnea, ni avec une chaîne entre ses cornes, ou un ruban entre ses cornes, comme on a vu plus haut dans la Gemara, une discussion entre Rav et Shmuel, est-ce que c'est interdit que si ça vient faire joli pour la décorer, ou bien non, c'est interdit même si c'est venu, même si on s'en sert pour la tirer, pour la garder avec. Donc on avait dit, c'est une marloquette, est-ce que netiru tayeter, t'as une garde supplémentaire, est interdite pendant Shabbat, donc pour un animal, est-ce qu'on a le droit ou pas? On avait vu marloquette Rav Shmuel, marloquette Chanani et Chachamim, on avait dit que la lacha est comme, on avait dit que la lacha est comme Rav qui l'a interdit, pas comme Shmuel qui l'a permis, comme Chanania. Parato chez Rabbi Elazar ben Azaria, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, itayotay birtoa sheben karnea, elle sortait avec son ruban entre ses cornes, shelo birtoa chachamim, contre la volonté de chachamim. Les chachamim n'étaient pas contents de ça. Demande la Gemara Maïtama, pour quelle raison on interdit à l'âne de sortir avec la marda s'il n'a pas été attaché à lui, kedamaran, comme ce qu'on expliquait dans le daf précédent, où on avait dit que, comme on l'a cité dans la Mishnah déjà, on avait dit que si ça n'a pas été attaché avant Shabbat, alors c'est interdit, même si ça a été attaché pendant Shabbat, parce que ça n'a pas été dessiné, ça n'a pas été reconnu comme son vêtement. Velo bezou gafal bishou pakouk, ni même avec une cloche, même si elle est bouchée, mishoum de mirze keman de azil le chinga, parce que mishoum de mirze, il apparaît keman comme quelqu'un de azil le chinga qui sort au marché avec. Donc il veut vendre son âne, et il lui a mis la cloche pour faire joli, et donc c'est interdit. Velo besoulam chez Betsavaro, ni avec l'échelle à son cou. Amar avuna beloa. Beloa, ça veut dire à la hauteur de sa joue. Les mailles avdele. Pour faire quoi on lui met une échelle à sa joue? Les echadeit le maka. C'est pour le cas où il a une blessure à son dos. De lohada chayichbe. Pour pas qu'il tourne la tête à frotter avec ses dents sa plaie. Donc pour la laisser guérir, on lui bloque la tête. On lui bloque la tête avec cette échelle-là tout au long de son cou pour pas qu'il puisse tourner la tête et tripoter sa plaie. Vela birtoa sheberaglo, ni avec une lanière à ses pattes, des avdel et gizra. On lui fait ça pour protéger celui qui a les... Rachid explique. Voyons Rachid les gizra. Bema. Donc, bon, Rachid, il traduit ça en, je sais pas comment lire ce mot. En tout cas, après ça, Rachid explique, Bema, c'est psiotak tsarim, une Bema qui fait des petits pas, ou makar aglea zebazé, et ses pattes, elles se frappent sans arrêt, elles se cognent sans arrêt. Aussi, nakemin tabat shel akalim, aurait tout à votre. On lui fait un genre de d'anneau, ou de lanière épaisse, de kosherin notal et malami prasot à regel, on lui accroche au-dessus de ses sabots. Makom chez Menachin Zobazo, à l'endroit où ses pattes se cognent. Donc cette lanière protectrice, elle sert justement à ça, comme on a dit. Et donc on n'a pas le droit de la sortir comme ça pendant Shabbat, de peur que ça tombe au Reshut Arabim, il risque de la ramasser, de la porter au Reshut Arabim. On continue dans la Gemara, Natarnegolin, Yotin Mechutin. Les poules, les coqs n'ont pas le droit de sortir avec les fils. Explique la Gemara, de Avdela Simna qui écrit de l'Olichalfu. On lui fait ça en tant que siman, en tant que signe pour reconnaître ses coqs. Des autres. Donc il leur fait un certain siman avec des fils qu'il attache à leurs pieds, ça aussi interdit. Alors pas, c'est aussi interdit. Velo birtsua, de avdele, qui écrit de lolit verumane. On attache leurs pattes une à l'autre, de ces coques-là, pour ne pas qu'ils sautent et qu'ils cassent des ustensiles. Ven azharim etin bagala, les béliers ne sortent pas avec une charrette à leur queue, afin que leur queue ne pourrisse pas, ne s'arrache pas de partout. Les brebis ne sortent pas chanunot. La Gemara viendra expliquer tout de suite qu'est-ce que c'est que chanunot. Donc juste avant, je voudrais voir Rashi à l'intérieur. De l'olichamta, on a dit que pour protéger leur queue, on leur faisait une charrette, ces gros béliers qui avaient une grosse queue. Rashi dit « Shelo ilku beslaim utrashim » pour pas que leur queue ne prenne des coups dans les rochers ou dans les terres dures. Et c'est pour ça qu'on leur fait cette charrette-là pour les protéger. Rachid explique en plus long dans la Mishnah. Voyons, Rachid dans la Mishnah, Agala. Agala, Rachid dit qu'il y a une koran katan, une petite charrette, c'est aussi notre chaznavo qu'on lui met sous sa queue. Chez Rosh Zanav
Otana Elim Rachav Keminkar Katan. Donc le bout des queues de ces béliers-là est spécialement large comme un kar katan, comme un petit coussin. Ven bo etem la shuman, il n'y a pas d'os là-bas, il n'y a que de la graisse. Ve'av ve'kaved, c'est épais et lourd. Donc chez Nigra la haret nisrat venishrat, et quand il traîne par terre, il nisrat venishrat, il s'abîme de cette manière-là, il sans arrêt il prend des coups. Ve'osin lo agalam itgalgel et acharav, on lui met une charrette qui roule derrière lui avec des roues apparemment. Kshehu oler, quand il marche, ve'azanav kashur alia, et sa queue est attachée à cette charrette-là pour protéger la queue. Donc ça c'est interdit pendant Shabbat, comme on a vu, de peur qu'il risque de la porter pendant Shabbat si ça tombe de sa queue. On reprend donc dans la Gemara au milieu du Hamoud, aux deux points. Ve'en arechelim yotot chanunot. Yativ, yativ en début de ligne. Yativ ravacha baroula kamed rav chizda. Ravacha baroula était assis devant rav chizda. Yativ et kamar, il était assis, il disait. C'est quoi cette histoire de chanunot là qui est interdit pour les brebis? Mishach et gozazinota, quand on fait la tonte de la laine des brebis, tomnin la azak beshemen, on lui trempe un coton dans de l'huile. Ou manichin al padarta, on lui met sur son front qu'elle déchire le titanène pour pas qu'elle attrape froid. Amal et Ravrizda, imken asita marukva. Ravrizda a dit, ah, tu fais d'elle vraiment marukva. Tu t'occupes d'elle comme le gdolador. Tu t'occupes d'elle avec beaucoup de soin, comme marukva. C'est comme ça qu'on s'occupe d'une brebis, quoi. C'est Ravrim Kanelski. Et la yativ rafapa par shmuel kamed Ravrizda. Donc finalement, dit l'agma, elle corrige. Rafapa par shmuel était assis devant Ravrizda, il explique autrement. Yadi Vekamar, il t'a-t-il disait, Beshach et Kourat les LED, quand la brebis, elle se penche pour mettre bas, pour accoucher, Tomnin la Shne Azakin Chel Shemen, on lui trempe deux cotons dans de l'huile, ou Manichin Aichad al Padarta Vechad al Arechem, et on lui met une sur son front et une sur sa matrice, qu'elle est chez même pour la réchauffer. Et ça, c'est interdit. Amal et Rav Nachman, imken Asita Yalta. Rav Nachman a dit, ah, tu t'occupes de cette brebis-là comme Yalta. Yalta, c'était la femme de Rav Nachman, qui était une femme importante. Vraiment, on s'occupait d'elle avec beaucoup de soin. Et la Maravuna. Donc, la Gemara dit, non, c'est pas comme ça qu'on s'occupe des brebis. Il faut expliquer autrement. Il y a un arbre dans les pays lointains qui s'appelle Chanun. On amène une brindille de cet arbre-là. On lui met dans son nez. Afin qu'elle éternue. Veiplut darne rocha, et que les insectes de sa tête tombent de cette manière-là. Ça s'appelle chanun. C'est ça chanunot. C'est le brindis de cet arbre-là. Demande la Gemara Yachiz Zharim Nami. Si c'est comme ça, ça concerne aussi les mâles. Pourquoi que les brebis? Répond la Gemara Kevan de Menag Zharim Badade. Puisque les béliers, ils s'encornent les uns les autres. Mimela naflan. Alors, automatiquement, déjà, toutes ces bestioles-là, tous ces insectes-là, ils vont tomber d'eux-mêmes de sur leur tête. Shimon Nezira a dit, Kisma Deritma. Lui, il explique, Kisma Deritma, c'est une brindille, Deritma, c'est Rotem, c'est le nom d'un arbre, et ça sert apparemment aussi, comme on a vu, à faire sauter de cette manière-là, ça chatouille un petit peu leur nez, ça les fait éternuer, ça, et de cette manière-là, ça fait tomber tous les insectes qu'elles ont sur la tête. Bishlamad Ravuna de Malagmar. On comprend Ravuna Hainu Dektane Chanunot. On comprend ce que ça veut dire le mot Chanunot parce que cet arbre-là, il s'appelle Chanun. Et là, les Rabbanan Maï Chanunot. Mais selon les autres Rachamim, que veut dire le mot Chanunot? Répond la Gemara d'Avlinalo Milta. On leur fait quelque chose des Merachminan Alayou parce qu'on a pitié d'eux. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle Chanunot. Comme Hachem, il est Chanun Verachum. Chanun, ça veut dire il a la grâce et il a pitié. Nous aussi, on s'occupe avec soin de ces brebis-là. C'est pour ça qu'on les appelle chanunot. On s'est occupé d'elles avec soin. Donc, ça, c'est les premières explications qu'on a vues, ou la dernière aussi, où on leur met du coton sur son front quand après la tonte, ou bien quand elle accouche, ou bien la dernière explication qui disait, on lui met un arbre qui s'appelle Rotem, des brindilles une brindille de cet arbre-là dans son nez. Tout ça, ça s'appelle chanunot parce que finalement, on a pitié d'elle et on s'occupe d'elle. Ven egel le tebe gimon. On a vu, il interdit encore au veau de sortir avec le gimon. Mai egel be gimon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar avuna barnira. Barnira, c'est un petit joug qui sert à l'éduquer, à l'habituer, même si on n'en a pas besoin, au moins que lui, le petit veau, il s'habitue depuis sa naissance, depuis qu'il est petit, à porter son joug. Amar abiel azar mai mashma dehai gimon lishna de mikaf. Où est-ce qu'on entend de ce mot gimon que ça veut dire plier?
plier la tête. Dirtiv halakuf kagmon rosho. Un pasteur qui dit, est-ce que la couve pour plier kagmon, kagmon c'est une plante ou une fleur, rosho sa tête. Là-bas on est en train de parler, le Navi là-bas il est en train de faire le reproche au clan Israël qui font des jeûnes, des taniyot. Et donc ils viennent, ils vont à la choule, ils font les tfilot, les slichot du ta'anit. Et finalement ils sortent mais ils ne se corrigent pas. Ils ressortent de là-bas sans se corriger. Et là-bas le Navi leur dit, est-ce que c'est à ça que ça sert le ta'anit? À plier sa tête comme Agmon, comme cette fleur-là qui penche la tête un petit peu. Donc on va à la choule, genre à la grande soumission. Et finalement quand on ressort, on n'a rien corrigé du tout. Est-ce que c'est à ça que ça sert le ta'anit? Ça sert à se corriger. Donc on voit en tout cas que la couve et Agmon ça va ensemble. Donc Gimon, c'est le joug qui sert à la couf. La couf, ça veut dire à plier sa tête. Mais là, par rapport à Coupard, on a vu que la vache, on n'a pas le droit de la sortir non plus avec la peau à Coupard. Coupard, c'est l'hérisson. Ou kipod, selon une autre version dans la Mishnah. Donc c'est la peau de l'hérisson qui sert, dit la Gemara, dès là, on le lui met à ses mamelles qui érit de la limtseyu à y aller, afin que ne viennent pas des suçants pour prendre son lait. Velo birsoua chez Ben Karnea. Ni avec un ruban qui est mis entre ses cornes. Il est rave, selon Rav, ben enoy ben echamer asur. Comme on a vu dans les dapim précédents, c'est interdit aussi bien pour faire joli que même pour garder la vache. Donc il met une ficelle entre ses cornes pour la tirer avec, c'est interdit. On n'a pas besoin, c'est pas vraiment nécessaire, donc c'est interdit selon Rav. Il est shmuel enoy asur, il est chamer moutar. Selon Shmuel par contre, comme on a expliqué, l'enoy, si c'est que pour faire joli, c'est interdit, mais si ça sert à la garder, là, c'est déjà permis. Paratosh de Rabbi Elazar ben Azaria, la vache de Rabbi Elazar ben Azaria, elle sortait avec la lanière entre ses cornes, le ruban en question entre ses cornes. Mais les Chachamim n'étaient pas contents de ça. Demande-moi, qu'est-ce que c'est que la vache de Rabbi Elazar ben Azaria? Il n'avait qu'une seule vache. La vache de Rabbi Elazar ben Azaria, Vechada para aviale. Est-ce qu'il n'avait qu'une seule vache? Demande à Gemara. Ve'amarav, amrela, amaravuda, amarav. Pourtant, Rav a dit, ou Ravuda au nom de Rav. Tresar alfe egle hava me'aser, Rabbi Elazar ben Azaria me'edre kol shata ve'shata. Je reprends. Tresar alfe, 12 000, egle vo, 12 000 vo, hava me'aser, Rabbi Elazar ben Azaria me'edre. Rabbi Elazar ben Azaria, il prenait comme prélèvement de son troupeau, donc 1/10, de tous les nouveau-nés, kol shata ve'shata chaque année. Chaque année, il devait prélever 12 000 nouveau-nés vo. Donc, il était très riche. Il n'avait pas qu'une seule vache. Une vache ne va pas lui donner tellement de veau. J'espère pour la vache, en tout cas. Répond la Gemara Tana, lo shelo haita, et la shel shrento haita. C'était pas sa vache à lui-même, c'était la vache de sa voisine. Omitar shelo michaba nikret al shmo. Et la raison pour laquelle on l'appelle sur son nom à lui-même, c'est parce que il n'a pas fait la reproche à sa voisine. Il aurait dû corriger sa voisine en lui disant, écoute, interdit. Et puisqu'il ne l'a pas, il s'est tué. Alors, on l'a appelé sur son nom à lui-même. On a dit la vache de Rabbi Elazar ben Azaria comme s'il était fautif, alors que c'est pas la sienne, c'est celle de sa voisine. Il aurait dû faire la remarque à sa voisine. Rav, Verabbi Hanina, Verabbi Yochanan, Verabbi Chaviva Matnu, ces quatre achamim là, ils enseignaient Bekoulé de Seder Moed. Matnu, ils enseignaient. Bekoulé de Seder Moed, mais quand on les trouve, les quatre achamim là, dans le Seder Moed, le deuxième seder du chasse, Kolka Izuga, c'est Chachamim là ensemble, Chalouf et Rabbi Yochanan ou Meir Rabbi Yonatan. Il y en a qui inversent Rabbi Yochanan avec Rabbi Yonatan, qui changent Rabbi Yochanan par Rabbi Yonatan. Donc ce sera Rav, Rabbi Chanina, Rabbi Yonatan et Rav Chaviva, selon sa deuxième version. Donc Chalouf et Rabbi Yochanan, ils échangent Rabbi Yochanan ou Meir, ils rentrent à la place Rabbi Yonatan, Rabbi Yonatan à la place de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'ils disaient ces quatre Chachamim ensemble? Kol mi shefchar limchot l'anche betov lo micha, celui qui peut faire une mecha, il peut faire la reproche aux gens de sa famille et il s'est tué, il ne l'a pas fait, n'est pas à l'anche betov, il sera puni sur les fautes des gens de sa famille. Be'anche iro, n'est pas à l'anche iro, celui qui peut faire la reproche aux gens de sa ville et il s'est tué, il peut corriger les gens de sa ville et il s'est tué, tout le monde est soumis à lui, tout le monde l'obéit, tout le monde écoute, tout le monde l'aime. Tout le monde le comprend, lui fait confiance. Et donc, il aurait dû faire la remarque, mais il s'est tué. Il sera puni pour tous les gens de sa ville. Mais Chol Olam Kulo, si c'est un homme d'une dimension pareille, que le monde entier
elle obéit. Il aurait pu faire la remarque au monde entier, donc tous les juifs, comme le roi, le Gadol Hador ou quelqu'un comme ça, et que tout le monde le craint ou tout le monde le respecte, et s'il avait dit quelque chose, on l'aurait écouté, alors s'il s'est su, il passe al kol olam kulo. Il sera puni pour le monde tout entier. Amar Afapa, Vane de Verej Galuta, ces gens-là, les grands de l'exil, nitpesu al kulé alma. Eux, nitpesu, ils ont été punis al kulé alma pour tout le monde entier parce que ils auraient pu faire la remarque, ils auraient pu corriger tout le monde les aurait écoutés, les aurait obéis, parce qu'on les respecte, et ils se sont tus, donc ils seront punis pour tout le monde entier. Et là, la Gemara va ramener la preuve d'un pasouk qui dit qui a d'amar Rabbi Chanina maï dirtiv, comme ce que Rabbi Chanina a dit, que veut dire le pasouk Hashem et Mishpat Yavoy Mizikne Amo Vesarav. Hashem va venir juger c'est les anciens de son peuple, donc c'est les grands rabbanim, Vesarav et ses ministres, ses princes. Imsarim Khatou Zkanim Achatou, si les ministres ont fauté. Les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Pourquoi les punir? Zkenim, c'est le Sanhedrin. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Les juges, les grands rabbanim. Et la Ema Zkenim, Shalom Yichubasarim. Gmal Kouri, j'ai dit que les Zkenim, les Chachamim, ils auraient pu et ils auraient dû faire, ils auraient dû empêcher les Sarim de fauter, les ministres de fauter. Et dans ce cas-là, si vraiment ils auraient pu les empêcher et qu'ils ne l'ont pas fait, ils se sont tués, alors ils seront punis. Ils seront punis pour toutes les fautes qui ont été causées, qu'ils auraient pu corriger, qu'ils n'ont pas corrigées. Et inversement, comme on dit, midat tova merouba midat pouranout, donc le salaire, il est plus fort que la punition, 500 fois plus fort. La Gemara dans ce texte dit que le salaire, il est 500 fois plus grand que la punition. Comme on dit que un kadash borou, il punit jusqu'à la quatrième génération. Al-shilejim, al-ribeim, le son aï. Troisième, quatrième génération, à mes ennemis, Hachem, il punit. Tandis que le salaire, il le donne notre chesed de la alafim, 2000 générations. Donc de 4 générations à 2000 générations, on a 500 fois plus. De là, on apprend que toujours midat tova, meruba, mimidat pouranout, alachat mechamesh meot. Achat alchamesh meot. 500 fois plus, c'est grande la midat tova, le salaire que Kadosh Baruch Hu donne au tzadikim, que la punition qu'il donne au rechaim. Donc c'est chachamim là qui renforcent la Torah et les mitzvot de la génération, ou n'importe qui encourage, qui renforce la Torah, qui renforce les mitzvot, évidemment que son salaire, il sera très important. Si déjà on a vu qu'il est puni pour tout le monde, il est responsable dans le sens de la punition, Kal vachomer évidemment qu'il est responsable dans l'autre sens de recevoir le salaire pour tous ceux qu'il a encouragés et qu'il a rentré dans la Torah et dans la mitzvot.